User joined your channel. Bulkheads built of fallen brethren bonds. We all do what we can. We endure our fellow man. And we sing our songs to the head frames, creeps and moan. And it's 1, 2, 3 on the wrong side of Lee. What were you meant for? What were you meant for? And it's 7, 8, 9 you get your shuffle back in line. If you ever make it to 10, you won't make it again. And if you ever make it to 10, you won't make it again. And you won't make a dime on this gray granite mountain mine. Of dirt you're made, into dirt you will return. Let's get this little one thing clear. There's plenty of men to die. You don't jump your turn.
Bonsoir tout le monde. Bonsoir. C'est parti donc pour la sixième coupe. Alors, ce soir nous avons pile 8 équipes. Les canards étaient inscrits mais n'ont pas confirmé. On retrouve les Jumat face aux Vaches Mauves, les Raskis face aux Steel Gaming, c'est le match que nous allons regarder normalement. Les French Patriots face aux ATS et les KDX face aux EUC. Première carte, c'est la même que la dernière fois, donc ABI. On rappelle, hein, le concept maintenant, c'est la dernière carte est reprise. La première carte est reprise par rapport à la carte de la finale de la coupe d'avant. Donc je vais contacter les Hostile Gaming. On retrouve bien les équipes habituelles, hein. Quelques, bon, pas nouveaux, mais des, on va dire, des équipes moins habituées à jouer. The French Patriots, notamment, il me semble, qui ne jouent pas très souvent. Je vais en directement avec Rob Mustang, vu que c'est Raskis qui doit inviter. Voilà. Les French Patriots, je crois pas qu'ils aient fait de 7-7 encore, on les voit en 3-3, ouais. Mais. Je vais voir ça sur. Il me semblait pas les avoir vus, hein, mais. Non, y a pas de match. Une équipe qui se lance. Au final, on a quand même pas mal d'équipes. Hein. En cup, ça tourne beaucoup. On arrive à avoir 8 équipes par soir. Mais je pense que si on réunissait tout le monde, ça ferait bien 14 équipes. Hein. Facile. Ça serait bien même de chacun les avoir dispo. Sur un soir. Oui, voilà, c'est ça. Mais surtout ce soir, c'est l'été. Hein. C'est la fête de la musique. Donc bah, on comprend qu'il y en ait qui aient envie de passer la soirée en extérieur. J'ai reçu l'invitation. Je vais passer sur la fenêtre de jeu. Pareil. Hop là. Je vais prendre le T1 déjà, ce sera mieux. Que le 50 cents, ça le fait pas trop. Malinovka. Une carte qui pourrait être intéressante en ESL, je trouve d'ailleurs, Malinovka. Oui, surtout qu'elle a été retravaillée. Bon, j'ai toujours trouvé très équilibré, moi personnellement. J'ai pas trouvé qu'un côté ait plus avantage que l'autre. Je pense que beaucoup de gens ne savent pas la jouer tout simplement. C'est une carte qui est relativement grande, il me semble. Oui, un kilomètre par un kilomètre. Hein. Ah, voilà. Elle paraît d'autant plus grande que les bases sont en diagonale. Oui. Apparemment, Roy Mustang a décidé de jouer tout seul.
ça risque d'être compliqué. Enfin, We Are Sparta sur Main of K. Alors, est-ce qu'il est hostile? Il y a quelques hostiles. La liste des joueurs invités. Ouais, les hostiles. J'ai retrouvé chez eux un joueur que j'avais pas vu depuis longtemps, qui était Typhon, Ah oui. avec qui on jouait à la GA. Bon joueur de char américain. Apparemment, il est pas dans l'équipe. C'est notre première 7-7 avec la nouvelle mise à jour Oui. Bon, excusez de pour World of l'interface en Tank. anglais, j'ai chargé le premier pack de mods que j'ai trouvé. Oui, et puis donc des articles qu'on ne reverra plus hein, en ESL. La 261, Notamment la bas voilà, chat. la 265, la VATCHAT. Voilà, des articles qu'on ne pourra plus voir On verra sur ces si formats-là. les équipes ont déjà travaillé sur le remplacement ou si ils trouvent que l'artillerie est devenue obsolète du coup. Avec le. La table principale était sur les cartes ouvertes et avec des chars plutôt mobiles, c'est vrai que le temps de vol Oui. des obus qui était rallongé, ça va pas être l'idéal pour Le par temps de exemple pour vol des Korovka. obus et le temps de focus hein, puisque la dispersion a été augmentée. On va peut-être retrouver un peu de l'intérêt sur le splash plutôt que sur la précision. On va espérer faire un des tracks plus facilement. Après, je pense qu'il faut tester les artis tier 8, tier 6 Ça me surprendrait pas qu'on retrouve des artilleries un petit peu plus actuellement. lourdes pour faire face à tout ça. 15 minutes, c'est presque bon. Il y a 10 000, À hein, je noter fais pas de aussi, bêtises. c'est Abbaye, non? La carte. Non, là je parle en temps. Ah! C'est 10 minutes, non? Oui, c'est Oui. 10 minutes, oui. Je crois que Roy Mustang n'est pas très réveillé ce soir. Il est dû commencer la fête. C'est ça. Oui, ce que je voulais dire, donc avant d'être rudement interrompu, c'était que, pas oublier aussi que le bonus de camouflage des arbres tombés, notamment, a été diminué. Et que le bonus de camouflage donné par les camos permanents a été augmenté, lui. Il est passé à combien? Honnêtement, les chiffres, je ne saurais pas te dire. J'allais voir ça. Voilà, il faudra aller voir. Ah, toutes ces informations, bien sûr, vous pouvez les retrouver sur le site de Wargaming, hein, dans les news. D'ailleurs, je me souviens pas avoir vu ça sur la trad. Mais comme c'est une valeur en chiffres, ils ont pas besoin de moi, remarque. Je sais même plus où on voit ça. J'en ai aucune idée, en fait. Donc, tant pis. J'ai cherché la news pendant que. Deux équipes qui arrivent, mais je pense que Roy doit dormir. Ah non, ça y est, il a Change bougé. de côté, on est toujours à 15 minutes. Il change de côté. Et... Ah, ça y est, il joue plus tout seul.
pas la valeur, ils disent juste que c'est considérable. Donc, ben, faut demander à ce qu'on soit mis du côté des C'était en hostiles cours, gaming. voilà, c'est fait. Voilà, parfait. Donc, ils sont 6, il leur manque un Il manque un joueur. joueur, ouais. C'est Simba, en fait, qui a mon invitation. Alors, est-ce qu'il arrive à inviter le joueur? Il reste encore le picking à faire. Règle. J'ai pas vu l'op de ce week-end d'ailleurs. J'ai entendu dire qu'il y avait l'équipage x2. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La réinitialisation des compétences, c'est pas équipage x2 en fait. Et réduction sur les emplacements du garage. Et si je lis mal, il y a bien expérience d'équipage doublé et le réentraînement, il y a les deux. Que se passe-t-il? Je crois que Roy est vraiment à la ramasse en fait. Alors est-ce que c'est sur le... Sur le FR2, je ne sais pas. Non, il est là, hein, Simba 49, puisqu'il est en train de me parler, en train de désespérer de se faire inviter d'ailleurs. Ça n'empêche pas ça qu'on soit en FR1 ou FR2, on peut parler avec tout le monde. Oui, mais il était là, il me semble.
je me demande quand même. Hein. Je lui demande parce que tant t'as raison, il est peut-être en mule 2. U2 apparemment. D'accord. On va y arriver. Oui, faut pas désespérer. Comme tous les soirs, on commence à avoir l'habitude. Non, d'accord, c'est qu'il avait activé la demande C'est uniquement des d'accepter amis. que voilà, d'accepter uniquement des amis. On reçoit beaucoup d'invitations à longueur de journée de gens qu'on ne connaît pas. C'est en quoi j'utilise cette option. Est-ce qu'il sait qu'il faut. Non, on peut aller se noyer là. Ça y est, le voilà. Donc, on va peut-être pouvoir commencer le picking. Je sens que ce soir, ça va être une soirée épique. Alors. Colligramme. Est-ce que tu as retrouvé la news d'ailleurs? Deux. Pour le camouflage? Ouais. Oui, je t'ai dit, il n'y a pas la valeur, il dit juste que ça a été augmenté de façon significative ou je sais plus quoi. D'accord. Il n'y a pas de valeur. Ça aurait été bien d'avoir les valeurs. C'est que la variable dépend de du char. C'est des bonus. Ouais, une des chances. Alors, on commence sur mobilité pour Eras Grise. T109 et 50 100. Pareil pour nous, j'aime bien. Et au style fond du miroir apparemment. Alors, un deuxième 50-100 et un T34. Original, en ce moment une position hold down quelque part. Ouais. On est à 3 barillets. Alors, que vont répliquer les hostiles gaming? AMI 50-100 et T69. Donc, ça Ça leur fait fait 2,50 100, 2,50 100 et 2,69. T69. Ouais. Dernier, on verra si prennent un scout ou un lourd sans barillet. Apparemment, ils ont décidé à mettre les petits tirs à la fin. Est-ce que ça cherche à voir si l'équipe d'en face met l'artillerie ou pas? Il y a des chances. Il reste bien un tir lead pour les races grises. J'ai mis les 2 T1. Ce sera sûrement un char. De T1 pour les AG.
ils ont bien étudié la stratégie du picking. Hein. Ils aiment bien le miroir. Un T69 pour terminer. Ouais, ça fait 2T69, 2,50 des deux côtés, au final. Pour le moment, on a juste un T34 en plus du côté Ascris, on verra ce que mettent Ascris. Les RG, les HG. Pas les renseignements généraux. Ouais. Vont-ils faire miroir-miroir? Je pense à Tatin depuis tout à l'heure, c'est pour ça. HG, ça me fait penser à RG, moi. IS3. Ah, un IS3. Bon, ils ont IS3 face à T34, c'est la seule, seule variation. Ouais, mais il n'y a peut-être pas de T34, alors ils ont sorti. Bah, l'IS3 a un meilleur DPM que le T34. Il est plus mobile aussi. Oui, il a moins de PV. Mais là, ça grosse il tourelle, a une moins hein. bonne dépression, il me semble. Ah, l'IS3 a pas du tout de dépression vers le bas. Voilà. Hein, c'est. Comparé au T34. Bon, il faut juste qu'ils. J'espère qu'ils ont un bon emplacement pour le T34, sinon. Ça ne peut pas être à leur avantage. Bon, ça peut tarder. Ouais. Pas le temps de finir. Bon. Alors. Du coup, j'ai à nouveau la caméra distante, hein, ça va être pratique pour le streaming. Ouais, pour montrer les positions des autres. Allons-y. Bon, je suis toujours en contact pour essayer d'avoir les comptes observateurs. J'espère que ça mettra pas trop longtemps et surtout que ça se fera. Ah, ils étaient en vacances, non? C'est ça, oui, la personne était en vacances. Ils ont bien le droit à des vacances de temps en temps. Non. Souhaites-tu nous demander l'autorisation avant? Alors, on a un départ, les deux T69 middle. Vu qu'il y a plus d'artillerie, c'est vrai qu'on va retrouver peut-être un peu plus de d'usage de cet endroit. Tout le reste est envoyé en colonne 1-2. Un T1 pour spotter la colonne 8. Cherche et un autre T1 pour sortir la colonne 6. Saute dans l'eau, je m'endommage la tourelle, hein, normal. Alors. Le 55 qui reste en support des T69, ça joue très défensif. Hein. On voit ils sont en bas de l'abbaye, ouais. Ils sont en bas de la colonne 1-2. Ils attendent peut-être d'avoir une info, hein, tout simplement. Je pense qu'ils ont surtout un petit peu peur des races grises. Glisser, ouais. Alors, T109 qui se replie sur la colonne 6. Et on voit un 5100 qui monte. Qui monte la colline. Colonne 2, 2, 3. Voilà, sûrement pour faire un coup de spot. C'est vrai qu'ils ont absolument rien de ce côté. Voilà, c'est ça. Il va garder l'eau. Bon, les deux T109 contrôlent la colonne 6. Le T1 du coup est passé en bas d'abbaye. Et ils ont un T1 qui monte, hein. On vient de lui signaler de monter. Bien sûr, ça a vu, il va sûrement y avoir colonne un affrontement au milieu de la carte. Je pense qu'il va juste faire un coup de spot, hein. Je pense pas qu'il va monter complètement. On voit qu'il est quand même relativement hésitant. Le 55 qui se redéploie.
Ça, c'est Et un. les T69 aussi. C'est pareil, c'est le genre de manœuvre qu'on ne pourrait pas se permettre s'il y avait de l'artillerie, hein, parce que la montée, on la fait très lentement, on expose son arrière-train à des bonnes pénétrations. Là, c'est vrai que le fait qu'il part artillerie, on va avoir des drôles de strats qui font leur retour, quoi. T69 reviennent, ils vont apparemment faire une poussée en 1-2. Ouais, et donc le T1 qui va se remettre en spot en bas de l'abbaye. Il reste 6 minutes 50, largement le temps. Après là, le T1 qui est à l'abbaye, c'est vrai qu'il va les spotter au dernier moment, hein, s'ils arrivent. Ouais. Ce S'ils qui le m'inquiète sauront surtout, c'est la vraiment colonne derrière, voilà. 6. Bon, après, on verra s'il l'exploite ou pas. Ah, le T1 qui est côté colonne 8, c'est vrai que s'il était monté Oui, il connaît sur pas le. forcément Il connaît peut-être le pas forcément, placement, mais on oui. peut monter hein, sur les petites buttes à gauche là. Et c'est vrai que du coup on peut spotter et la colonne 8 et la colonne 6 d'un seul coup. Parce que là, du coup, c'est vrai qu'ils ont pas de spot colonne 6. Donc on a déjà vu hein, sur cette carte hein, des chars passer par là ou par l'abbaye pour aller vite caper pendant que ça se barre en haut. Et souvent, c'est souvent gagné par capping d'ailleurs, hein, cette carte. Hein. Ouais, c'est vraiment très très défensif. Hein. Il fait une séparation en 3-2. S3 va aller essayer de spotter apparemment sur la colonne 2. Ouais, c'est que ça doit jouer aussi très défensif hein, côté Razriss, puisqu'il bah, y a eu encore aucun spot non plus. C'est au premier qui fera le mouvement. Je pense que les Razkis n'ont pas trop envie de risquer sur un premier tour. Il y a eu un tir du T69 là-bas, sûrement un blind shot dans un Alors, il a buisson, peut-être été quelque chose comme spot, il a ça. peut-être testé s'il avait été spot ou pas. Normalement, il aurait dû le voir à cette distance. Oui, la blind shot, tout simplement, un buisson, voir s'il n'y a pas un T1 dedans, hein, au bout de la colonne 1 là-bas. Moi, j'aurais peut-être pas fait tirer le T69 en sachant qu'il a quand même un barillet. Bon, je pense qu'il a dû lancer de suite le reload. Ouais, il a dû lancer le reload, mais bon, tant qu'à faire, on sait jamais, hein, 25 si. secondes, c'est vite passé, hein. Rien que le temps de Ouais, descendre la c'est colonne ça. 1, c'est bon, en temps. Arrête de me contredire, je te dis, on sait jamais. Si pile à ce moment-là, l'autre équipe avait décidé d'attaquer, il aurait eu un obus en moins. Voire zéro s'il avait lancé le Alors, reload. 50-100. Tiens, tu vois? Bon, là, il a eu le temps de recharger, cela dit, mais bon. Ça aurait pu. Je suis perplexe sur la position du T1 en colonne 8, je me demande si on spot à travers les carcasses. Je pense pas. Ah, duel de Bah T1. voilà. Oula, là il est mal barré puisqu'il y en a deux. Il y en a un qui a perdu des points de vie et a dû faire une petite chute. Oui, pas probable. Ouais, il faut Voilà. qu'ils y aillent à deux les T1 là, et puis voilà, ils vont descendre rapidement normalement. Il va le finir avec le feu. Non, Ah, deux points de vie. deux points de vie, hein, C'était quand limite. même. Ah, cette problématique, c'est qu'ils vont devoir renvoyer un char en défense. Je pense pas que le T1 arrivera à finir les deux. Je pense surtout que sa position lui permettra pas de spotter en fait, parce qu'il y a des buissons sur l'axe. Ouais, et il risque de pas pouvoir spotter. Ouais. Donc on voit un T69 qui revient en arrière. C'est un bon choix. Hein. Et je pense que ça risque de pousser du coup colonne Oui, ce 1. serait le moment idéal pour les. C'est le moment de pousser hein, du côté des races grises. S'ils doivent faire quelque chose, c'est Je maintenant. pense que dès qu'ils verront le T69, dès qu'il sera spoté, ils vont pousser, ils seront Ouais, il y a à. des chances. Surtout que l'IS-3 n'a pas de barrière, hein. Le premier qui va prendre les tirs est celui qui est le moins apte à répliquer. Voilà, c'est ça. Ça pousse. Ils ont même pas attendu d'avoir le spot. Bon, il agit bien, il se cache entre les tirs, du coup le 50-100 perd l'avantage du barillet. Ouais, puis bon, on voit pas ce qu'il y a derrière lui, mais il doit pas être tout seul, hein, j'imagine. Alors le T69 qui s'occupe des T1 et d'un. Bon, il peut prendre tout son temps, hein. Il sait qu'il prendra pas de tir.
Pas d'artillerie toujours. Oui, c'est vrai que ça. Le terrain Les essaie de actions fuir, mais. auraient pas été les mêmes hein, s'il y avait eu de l'artillerie, ça c'est Ah, il rate sûr. son tir. Il aurait dû prendre le temps et Et de miser dessus deux? pour rien. Ah, le dernier aurait été le bon. Sans surprise, ça a poussé pendant Et ce voilà, temps. ça pousse à ce moment-là. Ils ont vu qu'il y avait un T-69 là, donc bah, qu'ils attaquent quoi. Ils sont un petit peu trop hésitants. Un petit peu trop. Ouais, là, le T-69 aura le temps de revenir et de venir baquer. Hein. C'est vrai que quand on lance une action comme ça, il faut y aller quoi. Hein. Faut pas hésiter. Ah, ils sont trop hésitants. Ils ont voulu aller chercher le. Ah oui, ils se font démonter, hein. Oh, ouais. Ils ont voulu aller chercher l'IS-3 sans savoir ce qu'il y avait sur la gauche. Après, le T-109 va être en reload. Il est en reload. 50-100 bientôt. Voilà, après, bah, pour L'écart ça, va ça se dépend resserrer. des reloads. C'est quand son qui n'a plus de conducteur d'ailleurs. L'IS-3 a mis un petit peu trop de temps à repousser, du coup, il aurait pu protéger ses potes plus tôt, je Et ils vont pense. se faire prendre en arrière. Là, il faut qu'ils avancent les radars, hein, sinon on va avoir un souci. Hein. Mais on finira 50-100 très rapidement. Il est en reload en plus, hein, donc c'est free kill. Qui Il se gêne. tombe, dis donc. Le T69. Mais il ne reste qu'un char. Je pense que s'ils avaient poussé plus fort et sur la gauche sans vouloir aller chercher l'IS-3, mais plus en passant bah, là où ils sont actuellement, hein, ça aurait été largement faisable pour eux. Ils ont mis trop de temps, ils ont hésité, ils n'ont pas fait le bon choix en voulant passer par en bas sans savoir ce qu'il y avait sur la gauche. Ils auraient eu un meilleur avantage hein, en passant à gauche comme ça directement. Bon, on voit que les AG ont joué défensif. Je pense que justement sur cette carte il faut garder une artillerie hein. Même faut éviter ce cas de figure justement. Prendre la colonne 8, descendre l'artillerie, faire les tirs dans le dos pour ces cas de figure. Bon bah on va continuer avec les hostiles gaming du coup. On va voir contre qui ils vont tomber. Qu'est-ce que l'arbre a avancé? Oui, donc nous avons les ATS qui ont gagné face aux French Patriots Oui. et les KDX qui ont gagné face aux EUC. Donc prochain match ATS contre KDX. Et par contre, il n'y a toujours pas de résultat sur notre branche, hein, celle où on est actuellement. Enfin bien sûr si les Hostiles Gaming ont gagné contre les races grises et les vaches mauves contre les jumates, on ne sait pas encore. Ça ne devrait pas tarder. Apparemment le match a débuté un petit peu en retard. Oui, apparemment, les gens n'ont pas trop compris qui devait inviter encore. On voit en commentaire le membre qui demande qui doit inviter. La règle est la même pour toutes les cups, que ce soit FR ou EU d'ailleurs, hein, c'est tout le temps le même cas. Sur la feuille de match, l'équipe de gauche invite. Alors la deuxième carte, c'est quoi déjà? Livevox. Continue sur une carte un peu plus ouverte. On va voir qui gagne. Apparemment, les vaches mauves étaient en forfait. Ils étaient en forfait? Oui, ils avaient une clan war C'est pas à apparemment, donc l'heure? du coup ils pouvaient pas jouer le SL.
Effectivement, forfait de l'autre équipe. Je vais contacter Seb pour qu'il nous invite pour la prochaine. Je vais voir ce qui s'est passé, tu vois, au niveau de ce match exactement. Bon. Si c'était forfait, le match aurait dû être validé depuis longtemps, je pense. Je vais jeter un œil. Je vais le mettre, c'est une équipe qui a un petit peu du mal avec les règles ESL généralement. En fait, apparemment, les CPC vont peut-être la jouer, enfin, je sais pas. Je vois des CPC qui rejoignent la salle. Oui, ils sont sur ABI. Je sais pas ce qui se passe, est-ce qu'ils vont jouer le match quand même avec le retard, je sais pas. Du mal à comprendre vu qu'ils ont mis le match en forfait. Non, je pense que parler d'un bug d'affichage, tu sais, des fois on a les icônes de clan, mais on n'a pas les noms, on sait pas exactement. Là, je comprends pas bien quoi. C'est ce que je suis en train de t'expliquer. Ben oui, mais je ne comprends pas. Des fois, quand tu es sur la feuille de match, tu as marqué le No Clan logo, je sais pas quoi, sur les deux machins, il n'y a pas les noms des. Voilà, Oui, ça mais arrive. sur le. Ils voient bien quand même sur le. Sur l'arbre, ils ont bien vu contre qui ils sont tombés. Oui. Ils peuvent aller sur la feuille d'équipe, ils peuvent ouvrir le chat ESL pour leur parler. Oui, mais aucune des deux équipes ne voyait le. C'est ce qu'il est en train d'expliquer. Aucune des deux équipes ne voyait sur cette page savoir qui devait inviter. Les deux étaient marqués en missing logo avec aucun nom d'équipe. Mais c'est. C'est dingue. C'est forcément.
l'équipe qui sera à gauche, c'est forcément l'équipe qui est en haut, quoi. C'était forcément les JHM d'invités, aux JHM d'invités. Et puis, de toute manière, au pire, c'est pas très grave. Quand on voit que ça met du temps à s'afficher, bah, une des deux équipes invite, c'est pas grave, quoi. Il vaut mieux démarrer le match, même si c'est pas la bonne équipe qui invite, que faire barotter 50 ans, quoi. Là, on met tout le monde en retard, c'est 21h40, il faut quand même pas déconner, hein. Ça dit, c'est pas toujours vrai, hein, la règle du haut de l'arbre. Notamment pour la petite finale où ça inverse l'ordre. Ouais, pour le petit... Mais pour les premiers rounds comme ça, normalement, il n'y a aucun souci. Après, il explique bien que c'est l'équipe sur la feuille de match à gauche. Enfin, on peut pas leur dire qu'ils sont vraiment en tort puisqu'ils respectent les règles, quoi. Ils attendent de savoir qui doit inviter. Je reviens un instant. Heureux. Apparemment, les CPC étaient bien partis en clan war. Bon. Est-ce que du coup il y aura match pas? On voit que des joueurs qui rejoignent encore.
là c'est relativement compliqué comme situation sur ce match-là. Ouais, bon, apparemment, c'est vraiment ça, c'est que les JHM ne savaient pas qui inviter, hein, tout simplement. Enfin, que c'était à eux d'inviter, quoi. C'est vraiment des joueurs qui ont du mal avec les règles, les mécanismes, tout ça, à chaque fois il y a des problèmes. Bon, les CPC proposent de jouer le match. Voilà, donc le verdict est tombé. On en a discuté avec les autres admins, hein, bien sûr. Soit ils acceptent de jouer le match tout de suite, soit les deux équipes sont disqualifiées. On peut pas faire du favoritisme là-dessus, hein. Certes, ils ont eu des problèmes, etc. Donc, mais le match aurait dû être lancé. Voilà. Ils vont partir à 5 joueurs. Ça fait 30 points. Alors, qu'est-ce que ça donne? Pas de picking pour le moment, on arrive à 50 minutes de retard hein, quand même. Allez, par contre, faut pas que ça traîne, hein, sinon ça va être disqualification des deux équipes, hein.
Ça va être vite vu, hein. Apparemment, les JHM ont pris leur char directement. Oh, peu importe. Par contre, 30 points. Oui, ça leur fait. Ils ont combien de joueurs là? 5? Oui, 30 points. Ouais, donc 30 points. Il reste 3 points. Mamadou peut prendre 3 points. Je me trompe pas. Non, même pas, ils sont déjà. Ils ont 29 points là, ils ont 1 point. Sur moins T1. Ça y est, ça démarre. Bon, je sais pas si ça valait le coup de jouer à 5 joueurs, mais bon, au moins ça sera joué. Alors, est-ce qu'ils vont quand même arriver à quelque chose avec 3 chars rang 8? Petite parenthèse, je tiens à préciser, quand vous avez un problème, mais quel qu'il soit, faites un protest ou un support, que l'équipe admin soit au courant et qu'on n'attende pas jusqu'à 21h34 pour avoir un protest, hein, c'est-à-dire 5 minutes après que le match est censé se terminer, pour qu'on puisse venir vous aider à régler le problème, hein. Que ce soit un problème d'affichage, un problème de je ne sais pas qui invite qui, etc. Parce que ça, nous, on est capable, on est là pour ça, on peut l'arbitrer, on peut décider arbitrairement c'est telle ou telle personne qui invite, hein, s'il y a vraiment un problème comme ça. Donc, faut vraiment pas hésiter à utiliser ce moyen de communiquer avec les admins. Ça évite de partir en retard. Voilà, parenthèse fermée. Non, non, je suis pas énervée, pas du tout. Je suis totalement zen. Alors, est-ce que je vais endommager ma tourelle cette fois, mes chenilles? Mes chenilles et mon réservoir. Peut lancer au bout d'un moment. Je sais pas pourquoi. Et des rochers. Alors il faut un full colonne 6 pour rusher le cap apparemment. Bon, ils ont l'avantage, hein, au niveau du nombre de chars et de joueurs. Après, attention que ça se retourne pas contre eux non plus. En tout cas, ça rush. Et du coup, hein, normal, il joue très défensif, hein, je pense, côté. Petit 32, si je gère bien sa tourelle, il y a moyen qu'il. Il y aurait eu moyen qu'il tape un petit peu avant l'arrivée des chars. Va falloir qu'ils focusent un peu plus par contre, parce que là, tirer chacun sur un char, ça réduit leur chance encore. Voilà, un moins. Même s'ils n'avaient pas produit 50-100, ils auraient pu le cacher un petit peu avec un autre char, ce que fait le T32 maintenant, mais c'est un petit peu tard. En sachant que ben voilà, ils en ont profité, y en a un qui cape, hein, côté Ouais, ils ont envoyé un T1 Rashomov. capé. Et donc s'ils reviennent pas, Bon, ils ils ont risquent d'avoir des encore le temps, problèmes. mais. Est-ce qu'ils vont finir l'IS-3? Le T32 ne le focus pas, il reste sur 50-100. Si, c'est bon, il repasse sur l'IS-3. Et ils sont deux à caper, là je pense que ça va être compliqué pour Oui, ils vont les perdre, JHM. ils vont perdre Elles au ont. capping. Ouais. La 500 qui va peut-être revenir, mais ça va être trop tard. Hein. Bon, bah, ils vont gagner à 5 joueurs, hein, ma foi. Comme quoi, tout arrive. Ah, ça, c'est ce qu'on disait la dernière fois. Hein. Quand il y a du capping, il faut arrêter, il faut aller décaper. Hein. Ça, c'est. Sur cette carte, c'est. Bon, en gros, hein, les chars chez les. Chez les Vachemov, on sont contentés de retenir le gros de. Le gros des forces c'est pendant qu'ils capaient par derrière. Bien joué à eux. Quoi, avec beaucoup de points en moins, ça peut passer.
Oui, après bon, le rush des JHM était totalement désordonné et surtout ils ne sont pas revenus en arrière au bon moment quoi. Sinon ça passait largement. Ils ont bien reculé au fur et à mesure en fait, profiter puis mettre les Oui. premiers tirs, ils ont dégagé un 50-100 direct, ce qui réduisait déjà l'écart de 6 points. Quitter la salle. Bon, côté de l'autre côté des demi-finales, hein, c'est les KDX qui ont gagné face aux ATS. Ouais. Donc ils sont en finale, mais bon bah voilà, ils vont avoir de l'attente, hein. Mais le match entre Razgriz et Hostile Gaming n'est pas validé non plus, je vois, il est toujours en open. Effectivement, j'avais pas fait attention. Alors, je vais regarder qui n'a pas validé. Ce sont les Ziri. Oui, c'est à eux de nous inviter. Tu leur as demandé, oui. Tu as demandé aux vaches meufs qui nous invitent. Ouais. Oui, donc le match Razgriz et Hostile Gaming qui n'a toujours pas été validé, hein. Faut bien penser que c'est les deux équipes qui doivent valider le match. Une seule, ça suffit pas. Et il faut bien penser à mettre les screens, que les admins puissent vérifier le résultat. S'il n'y a pas de screen et pas de contact, c'est vrai que bah côté admin, on peut rien faire, quoi. À part disqualifier tout le monde. Sur le chat, petit envahisseur. Ouais, bon. Pareil, Jumat contre Vachemov, le match n'est pas validé encore.
Ouais, c'est 3 heures pour valider un match. Bon, toujours pas de match validé, je vais aller voir ce qui se passe. Je reviens. Ok. Voilà, bon, les matchs vont être validés. Ok. Le match Race Grise aussi gaming, il n'y avait pas les screenshots. Donc bah, l'admin en question, qui est responsable de la cap ce soir, ne pouvait pas valider puisque bah, il n'avait aucun résultat. Et il ne pouvait pas vérifier le résultat, tout simplement. Donc bah voilà, donc ça c'est fait. Hostile Gaming est passé. Il reste les Vachemov qui vont passer du coup. Et qui nous invitent. Est-ce que tu les as Ah oui, recontactés? je suis avec Mamadou. Ouais, ok, ça marche. Je suis possible que le match était validé. On va y arriver ce soir, c'est un petit peu compliqué. Sur des choses toutes bêtes au final, hein, on perd du temps vraiment sur des choses bêtes. Bon, le fait de ne pas valider, pas mettre les screens, pas valider les matchs, c'est une chose. Et quand vous avez un problème de ne pas, comme je disais tout à l'heure, hein, de ne pas contacter un admin, ça retarde énormément. Hein. On n'est pas là pour faire que mettre que des pénalités et fliquer tout le monde. On est là bah, pour arbitrer et en cas de problème, pour vous aider aussi. Pour fliquer Donc, quoi en clair. non, pas vraiment. C'est pas la même chose. Hein. Moi, ce que j'appelle fliquer, c'est disqualifier et mettre des points de pénalité. Non, on est là pour vous aider aussi. Et si vous avez besoin d'aide, faut pas hésiter à faire un support, un ticket. Hein. C'est le moyen que vous avez de communiquer avec les admins. Hein. Les commentaires sur la feuille de match, malheureusement, ça nous aide pas beaucoup. Ouais, parce qu'il faut être sur la feuille de match pour le voir, il n'y a pas d'alerte aux admins, Voilà, il n'y a pas ça les met pas au d'alerte, courant quoi. exactement. Ça nous met pas au courant, on regarde pas forcément. Quand on regarde, c'est souvent trop tard et souvent la situation a déjà évolué. Donc le mieux, c'est de prendre de faire un ticket qu'on puisse vous contacter ou de nous contacter en jeu si on est connecté aussi, ça marche. Hein. En sachant que bon bah il y a quand même, c'est possible qu'on ait le jeu lancé mais qu'on regarde pas tout de suite. Hein, donc il peut y avoir des délais, pardon. Bon, alors les invite, est-ce qu'elles arrivent? Bah non, Puisque. puisque j'ai eu mat qu'on Vachemov n'est toujours pas validé en fait. Toujours en open. De mon côté Bon, du moins. je crois que je vais aller le faire moi-même. Ce sera plus simple.
Non, c'est bon si c'est validé. C'est passé. Ok, j'ai reçu l'invitation. Moi j'ai rien, je suis même pas. Parce que j'engueule toujours tout le monde, c'est ça? Je suis très gentille, moi, pas croire. Hein. Si j'aime bien que les choses roulent quand même, hein? Et quand on perd du temps sur des bêtises, ça m'énerve. Ça, vous l'aurez compris. Alors la salle est créée, je suis avec Mamadou dans la salle. Ou est-ce que notre gêneur a été viré? Est-ce qu'il s'est viré tout seul? Je ne sais pas. Oui, je ne vois plus les messages. Ça a été. Bon, c'est parce qu'il y a... Non, c'est parce qu'il y a eu du flou depuis. Hein. Non, je le vois toujours, toujours là. Moi, je peux pas le mettre en ignore. En fait, j'ai pas les droits. J'aimerais bien recevoir l'invitation si à moins que tu le rappelles. Ouais. Alors j'aurais demandé de d'inviter Tétis. Alors ils sont 5, comme la partie d'avant. Est-ce qu'ils auront un sixième et un septième? On ne sait pas. Normalement non. Il semble. Mamadou disait que c'était compliqué. Bon, en théorie, alors, où ça en est? Il s'invite toujours? Alors, pourquoi ça? Je sais pas. Ah là là là. Je crois que c'est le stream qui s'impatiente le plus. C'est pas cool de faire attendre les gens. Alors, un hostile, plus que 6.
Plus que 6, ouais, on va y arriver. Non, mais on va y arriver, hein. Moi, j'y crois. Dur comme fer, hein. Ça va que les journées se rallongent. Il fait jour tard, tout ça. Ça va être les vacances bientôt. On va dire qu'on va rester zen. On a le temps. Ou pas. D'ailleurs, histoire de vous préparer mentalement, il n'y aura pas streaming vendredi prochain ni le vendredi suivant, a priori. À moins qu'on trouve un streamer vidéo d'ici là, mais c'est pas gagné. Ça risque d'être compliqué. Ouais. Mais bon, tout le monde a le droit de partir de temps en temps. Hein. Hein, je Tout à fait. rappelle que ce soit les admins ou les streamers, hein, se font ça de façon bénévole. Alors, ça y est, nous avons les équipes, Ouais. c'est un miracle. Nous allons Pouvoir pouvoir commencer le enfin picking. commencer. Bon, les CPC finalement sont 6. Les Hostile Gaming sont 7. Toujours mieux que 5, hein. Ceci dit, ils risquent d'avoir plus de mal contre les hostiles gaming qui Oui, jouent ça bien, je sera moins pense. évident contre Voilà. les JHM. Comme on l'a vu à la partie précédente, beaucoup plus l'habitude. Du coup, les hostiles ont de grandes chances de gagner, on... autant streamer les canards. Ça, on pourra avoir les hostiles pour la dernière. J'espère que les KDX Toi, nous aient en mal. t'as déjà décidé du verdict. Ah oui. Bah... On sait jamais. Tout peut arriver. Bon, alors, le pic. Ceci dit, j'espère que les KDX qui sont en finale depuis un moment ont pris des doses de café et compagnie pour attendre, parce que les KDX et les ATS, puisque les ATS sont en petite finale, bien sûr. Pour jouer pour la troisième place. Et ça commence 2,50 pour les vaches mauves, 2,50 pour les AG. Alors, oui, 250, pareil. Donc, ils nous refont la même, hein. Les hostiles, je pense qu'ils aiment bien faire le miroir, hein, apparemment. Ou alors, ils utilisent systématiquement des 50-100. Ça marcherait aussi. VK45, j'avais une KV. Je me disais KV45, je ne connais pas. C'est quoi ce chat? De T69.
C'est un peu la même compo qu'ils avaient sur la carte Oui, précédente, hein, tout à fait, d'ailleurs. sur ABI. Ouais. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils ont une limite dans les chars qu'ils peuvent prendre, ou est-ce que c'est parce qu'ils fonctionnent particulièrement bien avec ces chars? Les deux sont possibles. Tier 3 et tier 1. Ah, En artillerie. sachant que les c'est enfin les c'est pas des Ah non, c'est à CPC, cause des 6 décidément. points en moins, je suis bête. Oui, les vaches meubles, voilà, c'est ce que j'allais dire. Elles sont que 6, donc ils ont 6 points en moins. Hein, donc c'est toujours un hein, 6 points par joueur absent. 6 points en moins par joueur absent. Au niveau du picking des chars. Bon. Du mal à terminer speaking. Sachant que pour les vaches mauves, c'est terminé le picking, puisqu'ils sont 6. Et les... Voilà. Voilà, c'est ça. Ils ont encore 3 chars à piquer, les hostiles. Le 50-100 et 2 T1. Bon, ça va pouvoir partir, je pense. Ouais. Alors, dernier choisit son char. On va y arriver à le lancer ce match. J'ai grand espoir là-dessus. Vingt secondes. Vingt Oui. secondes. Ils sont passés les 20 secondes, je crois. Ouais, depuis 9 secondes. Alors, on va les suicider en K6 comme l'autre fois. Donc on voit que ils avancent tous ensemble, hein, tous du même côté. Est-ce qu'ils vont rusher? Est-ce qu'ils vont aller en ville et les attendre?
A priori, oui, c'est un déploiement en ville. Ils envoient même pas un T1 de l'autre côté, hein. C'est vraiment. Non, ils envoient rien du tout là, c'est. Ils restent paquets, ils y vont quoi. Ouais, ils font peut-être. C'est ce que je disais l'autre fois, hein, cette carte, si on est en infériorité numérique, l'idéal c'est d'envoyer tout d'un côté, parce que généralement l'équipe adverse va envoyer un peu de chaque côté. C'est Pour moi, au niveau éparpillé, du T1, sera toujours un char en moins. Ah, ils se sont arrêtés pour laisser aller le light hein, pour leur spot devant, voir Ouais. s'il y a en ville. Vite, vite à l'eau. Il y a du chemin quand même hein, pour aller se baigner. Ouais, on sera. Dans tous les cas, on ne détectera pas quoi. Au pire, on sera spoté, c'est tout. De toute façon, les vaches mauves sont pas en mesure de tirer dans tous les cas, donc. Ouais, mais bon. Alors, en premier, t'es 69 de spot. Alors, tout le monde est caché derrière les buissons. Ouais. Et ça attend. Il y a quand même un Du 55 qui côté a pris des un coup, lights. hein. Les lights se sont mis vraiment contre les lignes rouges. On va aller voir le placement. C'est vraiment du placement de proxy. Et ce qui est étrange, c'est que les lourds ont du mal à revenir à temps s'il faut faire du support. Ah, remarquez que 50 mètres, ils se poteront peut-être sur la traversée. Oh non, ils se remettent un peu plus derrière. Bon, le T109 a refait du spot. Ça se tête. C'est le deuxième T109, ça c'était pas le même d'ailleurs. Les deux T109 sont dans le village. Ça attend, hein. Ça joue passif. Ouais, c'est relativement passif, alors faut voir la réaction des. On verra si les Austin Gaming vont pousser le vice à amener un T1 dans le cap, qui se ferait rapidement démonter par les 4 lourds en attente. Pas d'artillerie, hein. Pas un seul match avec l'artillerie ce soir. Ah, Allez, voilà. ça pousse en ville. Un T69 qui vient chercher les deux lights. Les deux T69. Et 50-100, ouais, il doit y avoir tout le monde ici, voilà, c'est C'est bien ça, joué, ils mettent les deux autres directement 50 l'écart sans derrière. prendre de tir. On a vu un Ah bah T1 ils ont eu spoté en bas du raison. village également. Ah, par contre, ils se sont tous fait spotter, c'était peut-être pas nécessaire. Et je pense qu'ils vont Bah, se du coup, qu'il y a une. redéployer. Oui, ils vont se remettre plus bas. Ouais, ils vont en arrière, ils vont peut-être mettre. Voilà, Ils vont c'est essayer dans ça. l'usine. Non, ils tentent d'attaquer. Ouais, et je pense qu'ils vont tenter d'attaquer par l'autre côté du coup, vu qu'ils Ils sont pourront tous pas assez tous y têtes aller niveau levées. temps, ça passera pas. Je pense qu'ils auraient bon compte à laisser un ou deux chars en défense et attaquer à deux. Oui, parce qu'en plus il y a de grandes chances que bah soit les hostiles décident de pousser et vont sur le cap parce que là ils seront plus rapides. Soit ils restent là et ils vont défendre leur propre cap. On va bientôt le savoir. Apparemment ils décident de tous attaquer, hein. Je vois qu'ils veulent rien laisser derrière. Ça me paraît culotté, sachant qu'ils étaient déjà dans le village. Le cap en plus est en open, hein, dans tous les cas, même si les adversaires restent dans le village, ils n'auront pas l'avantage. C'est pas du tout évident ce côté quand on est en infériorité numérique comparé à l'autre. Forcément, Bon, hein, là ils ils vont vont être être tous grillés. spotés. Voilà. Ils ont tous été spotés, oui, c'est sûr. Ah ouais.
Ouais, puis bon, c'était évident hein, que les hostiles avaient laissé un spotter ici. Ouais, ils avaient largement les points pour Voilà. sans prendre de risque. Voilà, on voit même qu'ils sont revenus en Ils arrière. sont Hein. là, Voilà, ouais. les 50-100, exactement. Sans s'en douter. Ils ont bien joué, hein. Ils ont Est-ce vu qu'ils sont tous les. revenus ou est-ce qu'ils ont laissé des chars à les capter par sécurité? Je sais pas, mais ils ont vu les. Ah, j'arrive pas à trouver les noms. Les vaches mauves. Revenir en arrière, ils se sont doutés qu'ils allaient essayer d'aller cap et. Bon, l'IS-3 essaie de monter, mais il est beaucoup trop lent. Le 50 ans sera mort avant. Eh oui. Ils étaient, à mon avis, ils étaient que tous les deux du coup, hein, les 50-100. Ah oui, le VK n'a pu faire un bon support et l'IS-3 était dans le creux donc il pouvait pas. Bon, il va aller le ramer pour gagner du temps, voilà. Dommage que du coup il repère un petit peu de PV qui commence à être précieux quand on est plus que deux face à Ouais. 4 chars de tir équivalent. Ouais, Et 50-100 qui était en ils vont recharge, finir le ils ont deuxième perdu un point de vie, je 50-100. pense qu'il va se finir. Il va se... Voilà, et là Voilà, ils sont sur le c'est cap et fait ils et n'auront il y a pas le le temps de cap. revenir, ils sont pas assez Ils auront rapides. pas le temps de revenir. Voilà. Ceci dit, c'est quand même bien joué, hein. Oui, c'était une bonne initiative. Un petit peu tard, je pense qu'ils auraient dû la tenter dès le début pour maximiser l'effet de surprise. T609 ont mis du temps quand même à arriver au cap. Je pense qu'ils ont dû Après, commencer à je venir dans pense. cette direction et faire demi-tour après. Ouais, puis je pense que les hostiles se sentaient à l'aise parce qu'ils avaient un joueur de plus. Ouais. Donc du coup, ils ont, voilà, ils se sont séparés en deux groupes et je pense qu'ils s'en fichaient un peu que les 50-100 meurent. C'était vraiment juste pour retenir les chars, quoi, hein, pour Et puis permettre d'aller caper derrière. ils ont éliminé le rang 3 et le rang 1 d'entrée. Voilà, ouais. Donc c'était bien, c'était pas mal. Jouer des deux équipes. Bon, bah du coup on va rester avec non, c'était les CPC qui avaient invité là, c'est ça? Je sais plus. C'est CPC qui a invité faire les vaches mauves. Bon, ce sera aux hostiles, je pense, invités. Oui, c'est ça, ce sera aux hostiles gaming. Tu leur as demandé de nous inviter, c'est ça? Qu'est-ce qu'on retrouve Du coup, la petite finale sera entre les vaches mauves et les ATS. Du coup, ils vont repartir encore à 6. Ouais, il y a des chances, mais bon, on a vu qu'ils sont capables de gagner à 5 ou même à 6, hein. Bon, contre une équipe d'un niveau à peu près équivalent, c'est moins évident parce que les 6 points Oui. sont vraiment. Encore, tu vois, on Encore, pourrait on pourrait mettre mettre. dire hop, on enlève 21, on part à 6. La règle des 6 points, elle est vraiment très très dure pour ça. On l'avait vu. Bah, elle est faite pour ça, justement, hein, pour éviter les abus aussi, quoi. On avait vu le premier jour des first FVP à Katowice. C'était un carnage parce qu'ils partaient à 6. Et le lendemain, leur capitaine d'équipe était enfin arrivé et ils ont reçu tout le monde, mais trop tard, quoi. Ils avaient perdu trop de points déjà. Alors, est-ce que le match a été fermé?
Le style vont pouvoir inviter. Alors, ces invités, est-ce qu'elles arrivent? Non. Pas pour le moment. Pour changer. Je vais recontacter Capsuc au cas où. Hein. Normalement, ils avaient bien lu. Bon, on n'a jamais qu'une demi-heure de retard. Hein. On a connu pire. Bon, c'est bon, ils vont nous inviter. T'as reçu. Oui, tu les as contactés, enfin, je sais pas. Ouais, ouais, si, okay. Si, je les ai contactés et normalement ils arrivent. D'accord, d'accord. Mais bon, c'est très dur hein, de cliquer sur deux boutons pour inviter des gens. Bah, y'a l'autre équipe aussi à inviter, hein, ça fait du monde. Oui. L'essentiel, c'est d'être là avant que le match commence. Ça y est, ça arrive. Le bug de chat, j'écris des messages mais ils sont pas envoyés. Ouais non, y'a rien à y faire. Donc maintenant il y a plus qu'à espérer que les Kha'Zix ne se soient pas endormis entre temps. Bon ils seront contents, on streamera l'équipe d'en face. Ouais. Ça y est, j'ai reçu l'invitation. Runeberg point final, carte intéressante. J'espère que ce sera pas joué comme la dernière fois où on fonce dans le tas et on voit ce qui arrive. Je pense que le niveau est un petit peu plus serré entre les deux équipes et qu'on verra pas quelque chose d'équivalent. J'aimerais bien avoir un peu de mobilité. Je la trouve beaucoup plus intéressante jouer en finesse qu'en mode bourrin colonne 3. Faudrait qu'ils nous passent avec eux les hostiles. Ouais, je vais leur dire. Le fond le même. Apparemment, il y avait Jet qui souhaite savoir si tu participeras à la Coupe Bison dimanche. Si moi je la fais? Ah, il a demandé sur le chat tout à l'heure, il redemande à l'instant. Ah. A priori, non.
Mais si vraiment vous voulez que je la fasse, je peux la faire, hein, mais bon. Et pour ça, il faut déjà que je débloque mon bison, du coup. Bon, c'est pas très dur à débloquer, hein, vous allez me dire. C'est un tier 3 maintenant. Ouais, ça fait un tir de plus, hein. Ouais, ça fait un tiers de plus, mais bon, ça va, ça se débloque facilement. On est sadique à laisser mariner comme ça. Enfin, je vais lui répondre sur le chat quand même. Bon, 1KDX, plus que 6. Oui, donc ce que je disais, hein, je viens de mettre sur le chat, a priori non, mais s'ils font une pétition pour que je participe, pourquoi pas? Chat sauvage ce soir. Oui, je tiens à rappeler que dimanche soir, hein, nous avons la Fun Cup Bison. Le Bison qui est une artillerie tier 3. Donc tier 3, hein, c'est abordable pour tout le monde, hein, on peut la farmer très rapidement. Et qui se jouera en 1 contre 1 sur les mêmes règles que le 1 contre 1 classique, donc en ville avec les mêmes cartes. Sauf que bah, ça se jouera uniquement avec cette artillerie tier 3, le Bison. Hein, vous pouvez vous inscrire hein, dès maintenant. Il y aura une récompense pour tout le monde hein, jusqu'au 128e joueur, donc n'hésitez pas, hein, venez vous amuser et gagner quelques piécettes. 3KDX, nous avançons. Alors, 3KDX. Est-ce qu'on aura les 4 autres? Ah, ça y est, il se rappelle de toi. Oui, Ouh, ça y est, ça pleut. 5, plus que 2. j'en rajoute une couche pour les embêter. Ouais, ils sont gentils, les KDX. Ils sont juste très stressés à l'idée d'être streamés. Faut pas leur en vouloir. Pourtant, ça ne donne absolument aucun avantage ou aucun désavantage à Ouais, c'est aucune dans des la tête. teams. Mais voilà, c'est dans la tête. Bon. De toute manière, on avait décidé de streamer les Hostile Gaming ce Et de soir, donc 6, plus qu'un. Kha'Zix sont très présents, hein, je l'avais déjà dit. Flo, Mickey, Chat Sauvage, soit en series ou en cup, les voit souvent. Kiwid aussi a fait un petit peu de series.
D'ailleurs, la série, il reste 9 jours. 10 en comptant ce Oui. soir, mais il reste plus qu'un match. Il vous reste 3 minutes pour cliquer si vous voulez le faire. Oui, Dans que 9 ce jours. soit pour les 1 contre 1 ou les 3 contre 3. D'ailleurs, les 3 contre 3 ont repris, hein, donc si vous voulez vous entraîner pour les cups, n'hésitez pas à lancer des matchs sur le 3 contre 3. Et il vous reste bah, 9 jours hein, pour jouer avant la prochaine mise à jour et ne pas prendre de points de pénalité. Hein, vous devez jouer 3 matchs au minimum. Hein. Et là, 1000 gold hein, à gagner pour les 8 Oui. plus actifs du mois. Pour les 8 plus actifs du mois, vous avez effectivement 1000 gold à gagner et un mois de premium SL. Et pour le mois prochain, on vous réserve des petites surprises, mais bon, ça vous le saurez qu'en fin de semaine prochaine, a priori. Ça y est, on va pouvoir commencer le picking. Ceci dit, je vous conseille vivement de vous remettre aux 3 contre 3 séries, hein, parce que y a des petites choses qui vous attendent aussi de ce côté-là. Alors, 2 T69, décidément les hostiles aiment bien les T69, hein. On met 2 à chaque match. 2 T1 pour les KDX. On commence doucement. Déjà, a priori, ça va jouer un petit peu plus plaine, hein, a priori, parce que les T69 ne sont pas les meilleurs chars pour aller en ville. Les hostiles se tâtent, voilà 2,50 $, le picking qu'ils ont fait toute la soirée. 4 barils pour les hostiles. On sort les IS-3 sur les cartes de ville. Hein. Oui, Bon. là ça sent le rush colonne 3. Un petit 110 aussi côté KDX. Et un T32 pour finir. Vraiment, ouais, ça sent le full ville et full. Ouais, c'est vrai qu'au final, le 110, on voit pas mal en 3-3, mais beaucoup moins en 7-7. Hein. Oui. Bah, l'avantage énorme du 110, c'est son DPM, hein. Et du coup en 7-7 c'est vrai que le DPM est un petit peu moins intéressant du fait qu'on va avoir plus de répartition sur la carte, des petits groupes qui vont faire que les dégâts individuels du char sont moins importants. Et puis les gens ils n'ont pas forcément envie de monter une nouvelle branche, hein, monter la branche, monter le char. Il y a très peu dans ce genre de situation l'IS-3 est tout à fait performant. Bon, cette fois-ci, on va devoir se faire tuer, Allez, bien pas le choix. sûr. Hop là. On va voir comment ils vont se répartir du coup avec les T69 et les 50-100. Sur le papier, je trouve que les KDX sont un petit peu l'avantage s'ils passent en ville. Ce sera au style gaming de faire face à cela en contournant. On va se regrouper qui nous tue plus facilement. Bah, on peut se commencer aussi, hein.
Voilà. Ça, c'est fait. Alors. Ils ont envoyé middle, ce qui me semble tout à fait logique dans cette configuration. Par contre, à leur place, si j'avais voulu jouer comme ça, j'aurais plutôt pris le côté nord, puisque j'en ai déjà parlé. Hein. Cette rue ici est avantagée par rapport pour le côté nord, plutôt que pour le côté sud, puisqu'on peut pas faire de support depuis le village côté sud. Hein. La rue est arquée. Alors, ils ont peut-être travaillé une strat hein, de ce côté, peut-être qu'ils ont ce départ en favori. Ils ont laissé juste les S3 pour spotter et encaisser ce qui arrivera de la ville. T32 spoté. On voit le T1 qui remonte la colonne 0, là il remonte loin quand même. Il a tout à fait raison, puisqu'il peut avoir rapidement du support par les T69. Et en toute logique, vu la composition, adieu T1. Et on voit bien, on a vu vraiment aucune artie ce soir. Hein. Oui. On le répète, mais... Ah, voilà, le terrain a été spoté. Bon, il a mouru. Donc ils ont perdu leurs deux T1. Donc ils ont plus de... Ils vont tenter un capping, ils envoient les deux T69. Ils ne peuvent plus voir ce qui se passe en ville. Soit un capping, soit ils vont tenter de les prendre à revers. Bon, ils sont disent qu'ils restaient en dash. Je pense qu'ils vont prendre le choix de les prendre à revers sur la colonne 3, du coup. De l'autre côté, ils ont été détectés, alors... En arrière. C'est pas une très bonne idée de prendre un 110 de face avec 2 T109, ils vont y laisser pas mal de plumes. Le premier coup de hit, il va faire bien mal. Pas être tout seul. Bon, ça va encore. Ça aurait pu être pire. Les S3 reviennent en def de suite. Ils ont peur de voir un full rush au point de cap. Ah si, il est tout seul, tu vois, je pense. J'avais pas fait attention, mais... Et ils sont obligés de revenir en def du coup, puisque une fois le 110 éliminé. Ouais, bah, ceci dit, on voit bien qu'il y a eu deux tirs de raté là. Les ah oui, c'est dommage parce que c'est pas l'idéal pour affronter ce char. Non, et ils vont être en recharge et ils vont rien pouvoir faire. Il a que 4 et obus le T69. Il a pas le DPM suffisant pour sortir à lui seul un char. Ouais, à deux ils auraient pu le sortir, hein, le 110. Ouais, ils auraient dû concentrer leur tir, prendre le temps. Il faut accepter de prendre des tirs dans le jeu pour être sûr de les mettre. Ils ont pas assez en T30 temps, de devant. Il va quand même peut-être le finir, oui. Voilà, c'est meilleur, mais derrière. Il sera tué par le T32 ou l'IS3 qui arrivera à temps. On voit les 50-100 qui remontent, hein, du coup. Il a plus d'obus, on voit qu'il panique avec sa tourelle. Plus d'obus. Hop là. Il sait qu'il est mort. Hein. Du coup, ça a pas mal resserré. 2 tirs 8 en moins, mais un T32 qui est commencé. Les KDX sont l'avantage. Hein. Au niveau des points aussi. 50-100 aurait peut-être dû pousser un petit peu plus tôt. En voyant les S3 remonter, ils auraient dû remonter de suite également. Ils auraient dû y aller aussi, ouais. Quand ils ont vu que les ennemis remontaient pour aller tuer les T69, hein, ils auraient dû remonter aussi. Mais bon, ce qui est fait est fait. Des fois, dans le feu de l'action, on se rend pas forcément compte. C'est pas forcément facile hein, de prendre une décision comme ça sur le tas. Bon là par exemple, si j'étais à leur place, je serais allé me débarrasser du T1 qui est dans le village, pour pas avoir de soucis plus tard avec lui. Ça prend pas longtemps à faire, ça... Et c'est vrai qu'on répète, c'est vraiment dommage, ces deux T69 auraient pu sortir ce 110. Malheureusement, ils ont pas assez pris le temps de tirer là où il fallait, de pas rater de tir. Quand même 300 mm de pénétration le T69, à moins que je sais plus s'il a été nerfé ou si c'est prévu qu'il soit nerfé en pénétration. J'ai pas fait attention où ils ont je tiré. Je me souviens que c'était en projet. Tirs, les deux tirs qui ont raté, j'ai pas fait attention où ça a été tiré. Bon, les KDX ont été un petit peu frileux sur l'avancée, du coup ils subissent là, c'est eux qui subissent pas mal. IS3 est en full vie, il se glisse par derrière. Il se glisse par derrière, il va aller. Le T1 doit être en train d'aller caper déjà par le colonne 2. Il va aller caper pour les forcer à revenir, à faire un choix. Alors les 50-100 qui sont en reload, là c'est pas le moment de se faire attaquer. Non. Mais il faut bien lancer. Les KDX n'ont peut-être pas le moyen de savoir qu'ils sont en reload. Hein. Donc.
Après, ils auraient pu le déduire, hein. Il y a quand même un IS-3 qui est bas en vie, le T-32 qui s'est fait sortir. Il ne devait pas leur rester grand chose. Ils auraient pu pousser, finir le 55-300 PV par exemple. Bon, ils ont un avantage en char, après tout, ils sont pas spécialement obligés de rusher. Je pense qu'ils se contentent de les retenir pour laisser aller caper les T1. Qui mettent du temps d'ailleurs. Hein. Qui mettent du temps, ouais. Ils attendent peut-être bien d'être synchro. Peut-être qu'ils ont redescendu un IS-3 par derrière pour prendre possible, en tenaille. Pour les prendre à revers. Oui. C'est ce que j'ai pensé aussi. Allez, là il faut. Voilà, non, si, ils sont contre, tous les trois là. S'ils y vont, il faut y aller, hein. Faut pas hésiter. Hein. Bon, l'IS-3 il s'est donné là, il a pris cher, double patate. Faut se focus sur la même cible. Là on voit qu'il y avait un IS-3 qui était low life, il aurait peut-être fallu le terminer en premier. Parce que ça fait un canon en plus là, voilà, qui du coup termine un char. Ouais, 50-100 arrive pas à le terminer. L'autre 50-100 à 300 PV va disparaître. Un problème de focus, hein, côté des hostiles. On est tir en mouvement, une chose qu'on ne peut pas se permettre en char français. Ouais. Hein. Non, ce tir en mouvement avec le 50-100 est déconseillé. Hein. Bon, la marche arrière, pareil, il aurait dû, dès qu'il était à couvert, faire demi-tour et essayer de fuir. Ouais, il est largement. Bon, dans tous les cas. Mais quand là, ils auraient dû limite les rusher, les IS-3. Ils sont trop restés en arrière là, je pense, les hostiles. Ouais, c'est surtout que ils ont envoyé un IS-3 tout seul prendre des coups, le temps que les autres arrivent. Ouais, ils auraient dû y aller franchement, terminer l'IS-3 qui était low life et se focus sur un autre après. Ils avaient moyen largement d'en sortir. Hein. Et après, on va dire qu'on porte la poisse. Hein. Bah oui, puisque du coup, ils ont gagné parce qu'on a streamé l'autre équipe. Et d'ailleurs, toutes les équipes qui vont streamer ce soir ont perdu. C'est ça. Mais c'est dans la tête, hein, parce que je vous assure qu'on a streamé des équipes qui ont gagné, si si. Faut regarder dans les archives, mais ça y est, ça existe. Bon, on n'a pas encore le résultat de la petite finale. Voilà, donc ce sera tout pour ce soir. Donc le premier tour, la semaine prochaine, lundi, se fera sur une berg. On verra si nous aurons encore des nouvelles équipes. Nous aurons des nouvelles aventures. Et sur ce, on vous dit au revoir, à lundi.